Même l'apocalypse n'avait pas réussi à nous empêcher de nous entretuer au nom d'une idéologie. J'étais sur le point d'arriver sur le front qui opposait les fachos et les communistes. On disait qu'ils s'étaient déjà fait la guerre autrefois et que les fachos avaient perdu. Et salut à tous, c'est Tranquille, on se retrouve à nouveau dans... Eh bien, Métro 2033. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai très envie d'éternuer, mais tant pis. Debout les damnés de la terre. Debout les... Est-ce qu'on va nous payer au moins? Même Marx a tant de livre que de ses idées. Alors on va essayer, on est dans l'illégalité, hein, donc on va essayer de pas se faire repérer. Les munitions sont de l'argent et on paiera en avance un chargeur plein pour chaque homme. Mais comme tout soldat qui se respecte, tu es censé les utiliser pour tuer les filles. C'est vrai, camarade commissaire. Le parti enseigne que seule la doctrine communiste est capable de montrer le bon chemin à travers les tunnels. Seul le nom de Lénine nous permettra de restaurer la gloire de notre métro et de l'humanité. Seul l'étendard de la ligne rouge peut rassembler les exclus, les miséreux, les malheureux et les poussiers à se relever et à reprendre la marche. Le marxisme est la lumière légendaire pour le bout du tunnel. Et alors, camarade commissaire, qu'est-ce que le parti peut nous enseigner? Merci pour le spectacle. Bon, je crois qu'ils m'ont pas vu. C'est des couteaux, non? Je suis à fond. Ok, donc le but c'est qu'on aille en gros du côté des fachos. Alors, pas idéologiquement, hein, mais de leur côté. En fait, faut qu'on passe par chez eux. Oh là, il y a trop de monde là. J'ai rampé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces bâtards de fachos nous ont envoyé les kamikazes avec des bombes. Hé, qui va là? Vraiment, personne prêt à me défendre. Merde. Ok. D'accord, c'est pas comme ça qu'il faut sucer le tuyau. Tu mens, espèce de minable. Je dis la vérité. J'ai même repéré le chemin moi-même. Envoyez un homme pour vérifier. Ok, donc eux ils me verront pas, c'est bon. Regardez-moi cette merde. Ça me dégoûte. Sergenko, va voir s'il y a vraiment une bouche d'égout. Ils l'ont quand même tué, hein. Désolé. Par là. Ouf. Ouais, d'accord, ok. Tout va bien.
Alors du coup, on se rappelle où j'ai mis l'optique comme ça, nocturne, comme ça au moins on va pouvoir se repérer. Il n'y aura pas de lumière, ce sera moins dégueulasse pour vous. Alors, en plus, ouais, il a même mis des flèches, donc ça va. Ils auraient pu ne pas le tuer, tout simplement. Par là. Désolé pour le fail de début, hein, mais c'est pas forcément la zone la plus simple. Il faut faire attention où on va. Oh, il y a un cadavre là-bas, non? Je prends juste le matos, le masque. Et donc voilà, moi à la base j'avais pensé à le faire en... Comment dire? Comment on appelle ça? Merde. Ah non, c'est bien par là. En narratif, mais vous voyez que bon, le game over c'est rapide. Au final, sachant qu'il y a déjà une bonne VF. Pourquoi s'embêter? Bon, au moins, je suis trop bas pour qu'il me voit vraiment. Je pense qu'il... Ils songent pas au fait que les gens puissent passer ici. Et c'est pas plus mal. Donc on est bien, les 10 packs. Pourquoi mes 10 packs? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris des dégâts? J'ai pris des dégâts, quoi. Ah, c'est ici, quoi. Ok. On est couteau de lancer, on est full. On coupe tout. Voilà, nous on s'en fout, on a le viseur. On a la visée. Merci camarade. J'ai entendu dire qu'il y avait un ranger dans les parages. Bon travail. Je poserai pas de questions sur votre mission ici. Parfait. On va se regrouper et se retirer. Parfait. C'était un honneur de vous rencontrer. Et encore merci. De rien. Air comprimé, c'est la base.
D'accord, on peut passer sur le côté. La question c'est par où ? Par là, très bien. C'est un véhicule, d'accord. Bienvenue à Fasholand, hein, je crois. J'attendais qu'ils soient un peu plus loin de ses copains. Ok, j'ai esquivé. On est obligé de passer par là. L'infiltration. Toi t'as pas l'air cool. J'ai un peu raté, mais tant pis. Bien. Allez. Air comprimé, c'est vraiment pété. C'est super utile. Ça doit être par là. Et en plus, on est habillé en russe, alors on est habillé en membre des rouges.
Donc on est une cible prioritaire, on va dire, des fachos. Bonjour. Une fois que j'avais repris mes esprits, tout espoir s'était envolé. Les prisonniers des fachos servaient d'esclaves ou de cibles d'entraînement. Pourquoi hésiter ? On va buter cet espion rouge et en finir avec lui ! On devrait pas appeler la Gestapo. Ça leur prendra une éternité d'arriver jusqu'ici. Qui va surveiller ce port en attendant ? Ta dernière prière à Marx ou à qui tu veux. Si tu nous supplies, réfléchira peut-être à la possibilité d'abréger tes souffrances. Pas mal. Ce que j'aime chez les méchants, c'est qu'ils discutent toujours beaucoup trop avant de se décider à appuyer sur la gâchette. Ah bah toujours, oui. Elle est bonne, celle-là. T'as rien à rouge ? Et bon sang, t'es qui ? C'est la plaque de Hunter. Je ferais mieux de l'emmener voir Melnick. Quel que soit ton message, garde-le pour lui. Est-ce que j'ai mes armes ? Très bien. Oui ! Allons vers la voiture blindée. Atta. Pavel, tu le conduis dans la voiture blindée jusqu'à notre Drésine. Ensuite, on sera tout prêt. Il restera que la brèche et la station noire. La vision nocturne ! Melnick te filera une médaille si tu lui donnes des nouvelles de Hunter. Je m'occuperai de la mission. On se retrouve à la station noire. Fais gaffe là-bas. Ah, j'ai bien fait de revenir en arrière. Du coup, maintenant, ça y est, on est pété. Alors, par contre, le problème de la vision nocturne, c'est que on ne voit pas les animations de blessures. Donc, vous ne savez pas si vous êtes proche de la mort ou pas. Ce qui est un peu embêtant. Mais en vrai, on s'y fait. De toute façon, on peut pas faire le... Enfin, faire le jeu en full vision nocturne, c'est juste relou. Du coup, je vais peut-être enlever ça. Non, l'enlever. Voilà. Parce que j'avais mon masque, en fait, à la base. Ah, ils sont... Ils sont là. On va explorer un peu avant. Le AK avec le viseur, c'est bien. Le fusil à biche avec le viseur, c'est bien aussi. Tellement de balles de AK. Donc ils ont fait un bon carton. Salaud de nazis. Des nazis russes en plus, c'est les pires. Tu devrais neutraliser la toile. On te repérera moins facilement. J'espère que tu sais te servir d'une mitraillette, petit. Eh ben les gars, bonne chance à vous. Ça va chier.
essaieras de passer les barrages sans se faire remarquer. Si tu gardes ton calme, fermons peut-être les yeux sur le fait qu'on est... l'équipe de remplacement. Si ça merde, fais ce que je te dis. Gardons notre calme. Qu'est-ce que vous faites là? Ce véhicule n'est pas inscrit sur la feuille de transport. On nous a demandé de nous rendre au barrage, plus haut, Air Officier. C'est pour livrer les munitions. Ils ont déjà reçu la cargaison de munitions. Qui êtes-vous? Remontez vos visières. Arrêtez! À l'air! À vos véhicules! Tout va bien. À gauche, ok. Ah bah c'est eux. Par contre, monter et descendre la visée avec stick droit et tourner avec stick gauche, c'est pas évident. Hein. Que je peux. Ouh. J'ai un peu mal au cul. Bien. Bâtard.
c'est bon. Il était moins une. On a pas mal de trous dans la carcasse. Hein. Ah. C'était mouvementé. Attends. J'arrive, Jackie, hein. Ça, j'ai tout ce qu'il faut. Mais attends pas, hein, c'est ça qui est beau. Avec les trains des fachos, j'aurais pu penser que le plus dur était derrière nous. Encore une fois, je me trompais. On y est presque. Ullman doit nous attendre à la station noire. Attention! Baisse-toi! Bon sang! Ils avaient besoin de construire toute cette merde! Fais attention, sinon tu vas te faire assommer. Soit tu te baisses, soit tu tires. Ouais, cet endroit file la chair de poule. Fais bien attention dans ces tunnels. Si t'es distrait une seule seconde, t'es mort. On a déjà eu un accident. On l'a retrouvé avec les bottes des types sur la drésine. Écoute-moi. On va bientôt arriver à la station. Elle devrait être déserte, mais tiens-toi prêt au cas où. De la lumière. Je dois y avoir quelqu'un. Abat-le, Artyom ! Fermez les portes ! Si j'étais à l'abri. Tout va bien. Attends. Heureusement qu'il n'y avait pas de drésine. Sinon on serait fait avoir comme des rats. Ouais. Bien. Le train fantôme.
le dépôt. J'en ai tellement entendu parler. Alors ça ressemble à ça. Pas cool. Bah tout est bien. Tout est bien, tout est bien. J'imagine que c'était par là. Je pense, sinon il n'y aurait pas eu ça. Trop évident. Ou pas. Abruti. Il y a un passage par là aussi. Pavel mort, je me retrouvais seul. Mais je devais rejoindre la station noire d'une manière ou d'une autre. Pullman m'y attendait pour me conduire à police. Saloperie. Des petits rats. Faisons attention à pas faire trop de bruit. Plein de munitions et montrer à ces créatures
comment les vrais hommes se battent. Ouais, les vrais hommes. Mais je crois que tout le monde va bien. Je peux pas. Je ne peux rien faire. Alors j'ai trouvé le meilleur spot. Ah. J'ai pas le droit de jouer. J'ai plus de son. Alors vous avez peut-être du son, vous, moi j'ai plus de son. Je crois que j'ai tout fait bugger. Attendez, je fais un truc. Non, j'ai plus de son. Ah, c'est peut-être le jeu qui bug, hein. Donc pan, paf paf, à gros gros, pan, gros, à gros, pan. Et moi je peux plus tirer. Je suis juste en visée, c'est tout. Je ne peux rien faire. Si je peux avancer, mais c'est tout. Et me baisser, je peux me déplacer. Bah oui, c'est-à-dire que je pouvais pas me défendre aussi. Donc on est reparti. Ici, on va essayer d'y arriver. Et là, j'ai le son. Pourquoi je suis mort ? Tout le monde va bien ? Ah, c'est le tri. En fait, j'ai pas jamais pris le trigger, du coup, ça a tout annulé. C'est une si belle journée aujourd'hui. Un peu mouvementé. Lui est mort. Ils arrivent. On est tous morts. Combattez, lâches. On est plus que 4, quoi. Si, il y a Jackie qui est au... à la machine gun. Thank you.
tirant en petite rafale. Hein. Ouais, c'est tous morts par contre. Hein. Mais au moins la porte est ouverte. Trop de mutants sont arrivés à passer. Il faut prévenir la police. Et je peux pas continuer de combattre, comme tu le vois. J'ai une mission capitale à te confier. Va dans la tour de la radio. Contacte police. Mmh. Et diffuse le message d'urgence que j'ai préparé. D'accord. Merci, bonne mec. Bonne chance, mon frère. Ouais. Bah, bon courage. Hein. Ah. Il y avait une porte. Ok. La tour radio, c'est plus ou moins tout droit. Plus ou moins. Mais ça va les attirer, je suis un connard. Peut-être ça va les attirer là où je suis pas. Peut-être ça qui est bien. Ou pas. Et où Jackie ? Qui est là pour qui pète les oreilles, je sais pas où il est. Il est là.
pas du tout par là. C'était un piège ? Genre fallait surtout pas tomber dedans ? Surtout faire attention de ne pas tomber dans leur trou. Alors. Comme ça, on se cache dans l'escalier. Calmez-vous. Mon oncle, allez, relève-toi. On va se faire manger. S'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi tu dors? On va voir maman. Tu m'as dit que tu m'emmènerais voir maman. Tu m'as promis. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Ma maman m'a dit de pas parler aux étrangers. S'il te plaît, mon oncle, t'es blessé ?
Dis-moi quelque chose. Il se réveillera pas. Je crois qu'il est mort. Il est mort, c'est ça. Comment je vais rentrer chez moi? Tu m'emmènerais avec toi? Je te connais pas. Mais si je te suis pas, je pense que je me ferai manger par les monstres. T'as une arme? Très bien. Je vais peut-être venir avec toi, alors. Tu peux tuer les monstres, hein? Très bien. Je m'appelle Sacha. T'as qu'à tirer, et moi je surveillerai tes arrières. D'accord. Il est monté sur mon dos? Je suis triste de laisser mon oncle ici. Je rendais visite à mon oncle. Il allait me raccompagner chez moi quand les monstres sont arrivés. Ils ont sauté sur lui. Il a commencé à tirer, et un gros nosalis l'a mordu au cou. Mais mon oncle est vraiment fort, et il l'a tué avec un couteau. T'as pas l'air aussi fort que mon oncle. Je vais devoir t'aider si on veut pas se faire dévorer tous les deux. Je t'emmerde. Je suis presque sûr que j'ai tué plus de nosalis que ton oncle. Donc poupougne. Là-bas. Ils ont détaillé partout les fumiers. Par contre, du coup, là, les contrôles, ils sont plus lourds. J'ai une arme, moi aussi. Elle est dans un endroit sûr, et j'ai pas le droit d'y toucher avant que je sois assez grand pour tirer. Mais tu pourras l'emprunter quand ton arme servira plus. Merci. Ça me réconforte, je crois. Pression. Lui est mort, c'est sûr. Les gens devraient pas lancer des grenades ici. Maman dit que le plafond est fragile et il pourrait s'effondrer. C'est bon à savoir. Là-bas. Très très bon à savoir. Balle pour être sûr. On quitte la station. Cool. J'ai encore jamais été dans les tunnels. Maman m'a dit que c'est un endroit dangereux où les enfants disparaissent. Maman m'a dit que si les enfants s'enfoncent trop loin dans les tunnels, les mutants les attrapent et mangent leur cerveau. Et puis ces enfants deviennent des mutants et courent après les autres enfants. C'est vrai? Sûrement. Et après ils jouent à Fortnite. Lol. Ça va, calmez-vous. On rigole. Waouh! C'est quoi ce truc là-haut? Attends, une fois mon oncle m'a montré une photo. C'est. Le ciel! C'est le ciel, oui. Le ciel? C'est bien ça? On dirait un plafond qui est peint. Je vais être célèbre! J'ai vu le ciel! Je
récupère, mec. Sacha. Je serai le plus grand maître Pokémon! Tu crois qu'on peut grimper jusqu'au ciel? On va essayer. Attends, j'ai pas envie d'aller si haut. Me lâche pas! Mais c'est bon. Des craintes. Laisse monsieur m'a emmené avec lui, sur ses épaules. Je l'ai aidé à tuer les monstres. Maman, j'ai vu le ciel. Oh mon Dieu, pauvre Serioja. Merci d'avoir sauvé mon fils. Mais de rien. Je pourrais jamais assez vous remercier. Je sais. Prenez ces cartouches. Merci. C'est toujours mieux que rien. Allez. Alors pas les fachos. L'avant-poste dans le bâtiment en ruine qui est juste à l'extérieur. Sur la place, vous trouverez un carrefour souterrain qui vous conduira jusqu'à la station noire. Les garçons vont vous conduire à l'extérieur. Bonne chance à vous, Ranger. Merci. Ça va être pas du tout. Ah non, c'est de l'autre côté en fait. Non, bah si, c'est par là. Genre. Échange de balles. J'ai pas vraiment besoin, hein. Je m'en fous. Ah bah, je vais te faire foutre. On va aller dans l'hermétique. L'air ne s'échappe plus même. Oh, trop bien. Ça coûte combien? 40. J'achète. Silencieux, on s'en fout. Ce chargeur pour mitraillette légère peut contenir les gains hebdomadaires d'un ranger et offre un tir soutenu plus long avec moins de recharge. Les gains hebdomadaires? Admettons. Plus de balles, quoi. Du coup, on fait quoi? On se touche? Ou je vous tape ou. Non, faut que j'aille là-bas. Vous avez besoin de munitions? Demandez-moi. Passez. Vous allez m'ouvrir la porte? Merci.
une grosse porte, hein. Oui, c'est une grosse porte.